L'homme doit savoir qu'on a dit plusieurs fois que quand on se réveille pour faire quelque chose de bien, qu'on a une bonne pensée, et en même temps on se réveille le nachash, le réveil, le nachash qu'il y a, qui mevakesh bechol yom l'amito, l'oulé Hashem ozro, lo yecholo. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu ne nous aide pas contre cet serpent, contre cet yetzer hara, l'homme tout seul, il ne peut pas le combattre, c'est impossible. Parce que chaque fois que toi, tu te réveilles pour faire quelque chose de bien, ne reste même une bonne pensée, et le nachash, il se réveille. C'est quoi le nachash? Le serpent. Vous savez, il n'est pas obligé de devenir vraiment un serpent. Un serpent, il peut être sur deux pieds, il te parle, il te donne des idées. Mais surtout, le nachash, c'est le sfekot. C'est quoi le sfekot? C'est le doute. Aujourd'hui, il nous remplit des doutes, surtout des doutes, est-ce que c'est bien de se marier, des doutes, est-ce que c'est bien le travail, même quand tu as fait quelque chose, tu as signé tout, il te met encore des doutes. Qu'est-ce qu'ils font les doutes? Les doutes, c'est ça vide la personne, ça prend toute son énergie, parce que il n'y a pas une chose, on dit qu'il n'y a pas simcha, c'est plus grand joie, c'est quand tu n'as plus de doutes. Tant que tu as des doutes, oui, non, que quand il a fait un examen, il sait pas si elle est bonne ou pas, il se range pendant qu'il a la réponse. Il doit faire quelque chose, il sait pas, oui, non, qu'est-ce qu'ils font les doutes? Les doutes, ils prennent toute l'énergie de la personne. Quand tu sais, c'est droite ou gauche, clair, t'as plus aucun doute, c'est là la plus grande joie. Quand t'as non, ça va, c'est rien du tout. Ou c'est bon, t'avais des doutes sur quelque chose, finalement il n'y a pas. T'as enlevé le nachash. Dès que l'homme il enlève cette serpent, cette obscurité, il commence à voir la lumière. Et là, c'est la simcha. Il faut savoir, toujours dans la vie, prendre Akadosh Baruch Hu, prendre Hashem dans tout ce que tu veux, dans tout ce que tu fais. Parce que Hashem, il dit, c'est vrai, cette nachash, cette serpent, cet Amalek, c'est moi qui l'ai créé. Mais rappelez-vous, une chose qu'on entend non-stop, mais on ne le vit pas la chose. C'est que cette Yetzarara, c'est vrai, Hachem il dit, c'est moi qui l'a créé. Mais je te donnais Torah, Tavlin, tu as tout ce qu'il faut pour le combattre. Et tout ça, c'est dans la Torah Kedusha. Utilise, prends ce qu'il faut pour le combattre. Ah, tu dis, non, moi je ne veux pas, il n'y a pas de problème, tu sors à la guerre. C'est comme tu vas maintenant au plein de Haza, avec tous les fous autour, et tu vas tranquille, tu te balades comme un touriste. C'est impossible. Avec une tzitzit et une kippa, c'est impossible. Tu es obligé de te remplir des gilets pare-balles, des déguisés. Tu es obligé, sinon on t'attaque. C'est comme ça exactement le Yetzer Hara. Ça veut dire que l'homme doit savoir, le doute, c'est le Yetzer Hara. C'est Amalek. Même le mot Amalek, ça fait que c'est le guimat, si tu calcules par un chiffre, c'est Amalek, c'est les mêmes les démons Amalek. C'est qui Amalek? Il vient, il te refroidit, il te donne des mauvaises idées, etc. Donc, et Hanouka, on est Hanouka maintenant. On a une possibilité maintenant d'attraper de la lumière. Et comment tu chasses l'obscurité? Qui avec la lumière, avec une vérité, avec une tovana? Tu as compris quelque chose? Ça t'illumine ton cerveau. Bezrat Hashem qui ont réussi.